Je ne vous surprendrai sans doute pas en vous apprenant que les bons de l'IO adorent les armes de l'Apocalypse. Ils ont même un département consacré à ça. Leur équipe de baby-foot est nulle. Mais dès qu'il s'agit de détruire le monde, on voit les priorités. Nous tenons de sources sûres que l'une des armes de l'Apocalypse de l'IO est entrée en production. Essayons d'obtenir des informations tant qu'il est encore temps. Allez sur le terrain, je prépare les caméras. Ouais, c'est le bon endroit. Quand vous aurez fini, décampez vite fait. C'est pas le moment d'être repéré. Ce que je vois ne me plaît pas du tout. Continuez et faites bien attention. Bien joué. Et maintenant, fichez le camp. Quelque chose me dit qu'on va avoir une très, mais alors très mauvaise surprise. J'aurais bien besoin d'une carte d'accès de l'Institut Onirique pour mener mon enquête. Et si vous alliez en emprunter une à un garde puis me la rapporter ? Et maintenant, apportez-moi la carte en essayant de ne pas vous faire éliminer. Ce serait embêtant pour moi. Je veux dire, pour nous. Voilà qui sera très utile pour une mission qui ne vous concerne absolument pas. Beau travail! Mais inutile d'en parler aux autres, hein? Ça reste entre nous. Il semblerait que les boucleurs favorables à l'Institut commencent à douter de Sloane et de ses troupes. Certains veulent nous remettre des renseignements. Aucun moyen de les vérifier, mais autant en profiter. Récupérez les données qu'ils ont déposées dans la cachette indiquée sur votre carte. Nous allons comparer ces données à nos archives de reconnaissance. Espérons qu'elles soient authentiques. Tout avantage est bon à prendre. Nous avons de bonnes nouvelles du front. De plus en plus de boucleurs s'engagent à nos côtés. Cela dit, plus nos forces seront nombreuses, plus nous aurons besoin de rationaliser notre stratégie. Utilisez ces braqueurs laser pour indiquer à nos recrues où tirer. Le laser est sur la cible. Cet afflux de boucleurs nous aidera à triompher, à condition qu'il reste fidèle.